à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle conférence. Nous allons accueillir Madame Christine Faz, qui est chef de projet RH Affaires sociales, qualité de vie au travail et référent handicap à la Caisse d'épargne, et Émilie Gageant, qui est assistante de service social spécialisée en santé au travail, qui intervient à la Caisse d'épargne, entre autres, mais qui va nous parler aussi globalement de cette mission d'assistante de service social spécialisée en santé au travail. Bienvenue, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, donc on peut commencer? Oui, allez-y. Écoutez, je bienvenue à tout le monde. Merci aussi d'assister à cette conférence qui a pour but de vous présenter une expérience en entreprise. Donc, je suis Christine Faz, chef de projet RH donc à la Caisse d'épargne CEPAC, donc siège social sur Marseille. La Caisse d'épargne CEPAC fait partie d'un groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Et nous sommes chez nous à la CEPAC 3300 personnes réparties en 10 territoires. Nous avons Marseille, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes, donc 0405, la Corse, et puis maintenant l'Outre-mer depuis quelques années déjà, la Réunion, Mayotte, et puis vers l'ouest, la Caraïbe, Guadeloupe, Île-du-Nord, Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, donc c'est une caisse d'épargne qui jongle avec les fuseaux horaires et on tient toujours compte de cet élément très important quand on doit organiser des conférences ou des actions de formation en virtuel depuis un an maintenant. Moi, dans ma mission, je suis donc référent handicap, santé au travail et qualité de vie au travail, rattachée à la direction rémunération affaires sociales. Et donc, ces trois casquettes que j'ai le plaisir d'animer m'amènent à gérer pour la partie handicap, par exemple, des collaborateurs qui sont dans mon portefeuille. Nous avons signé, nous sommes au cinquième accord handicap groupe, qui cet accord érige un peu une politique partagée par l'ensemble des référents. Donc, il y a un référent handicap et un référent qualité de vie au travail dans chaque établissement de notre groupe. Et donc, l'idée, c'est effectivement à la fois de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur le handicap, de pratiquer du maintien dans l'emploi en relation avec nos assistantes sociales, la médecine du travail, des acteurs RH internes, et la santé au travail, donc médecin du travail, comme je vous le disais. Et puis, je voulais vous livrer une expérience qui est très intéressante et très enrichissante pour moi, sur la qualité de vie au travail. Il y a à peu près, dans le dernier quadrimestre 2019, notre entreprise a décidé de se lancer dans un plan d'action QVT, de réfléchir à la QVT de façon plus structurée et précise. Certes, on n'a pas attendu cette date-là pour faire de la QVT. On avait déjà organisé un certain nombre d'actions dans tout ce qui est organisation du travail, on a fait des accords sur le télétravail, on permet à nos collaborateurs de s'exprimer au travers de baromètres annuels, on a rédigé et sorti des accords sur l'égalité professionnelle, des engagements de temps de vie, nous avons fait des actions sur l'arrêt au tabac, nous avons mis en place des assistantes sociales, nous avons 4 assistantes sociales sur nos territoires, ce qui est quand même assez conséquent. Nous avons déployé des formations techniques cognitives comportementales. Nous avons une cellule d'écoute et de soutien qui permet aux collaborateurs de contacter des psychologues et psychiatres H24, 7 jours sur 7. Et nous faisons un certain nombre de publications sur les risques psychosociaux et sur tout ce qui est incivilité et post-agression. Donc, en fin 2019, l'entreprise a décidé de faire accompagner par un cabinet qui nous a aidé à écrire une feuille de route. Cette feuille de route, elle est calée aux orientations stratégiques de l'entreprise sur 3 ans, donc 2020, 2021 et 2022. Et à la faveur donc de ce beau projet, nous avons constitué un comité de pilotage qui prend des décisions, à qui on soumet les grandes actions de plan en 2020 et maintenant en 2021. Et nous avons également mis en place des réunions. Nous avons convié une grande partie de nos collaborateurs. L'idée, c'était de pouvoir faire parler à la fois des personnes du réseau de vente, qui est quand même notre cœur de métier dans une banque, des directions internes, de plusieurs directions internes, des managers, des collaborateurs, des chargés d'affaires spécialisés, une espèce de panel de collaborateurs qui est important pour nous de co-construire ensemble cette feuille de route.
Elle a été écrite sur 3 ans. Chaque année, elle est déclinée. Nous sommes dans la deuxième année. Et pour vous donner une illustration de ce que nous avons fait en 2020, nous avons d'abord commencé entamé notre plan d'action QVT. Covid étant arrivé au milieu de notre élan, nous avons commencé donc le plan d'action QVT pendant la semaine de la QVT. Nous avons pu mettre en place des vidéos de respiration, une vidéo différente chaque jour pour dynamiser un petit peu cette semaine-là. Ça a été l'occasion pour nous de remettre en marché tout ce qui existait, qui se perdait un petit peu dans les arcanes de nos canaux, de nos portails, etc. On a sollicité nos 4 assistantes sociales. On leur a demandé chacune de parler de leur rôle, de leur engagement vis-à-vis de leur métier dans notre entreprise. Nous avons sollicité notre infirmier psychologue sur tout ce qui est risques psychosociaux. Nous avions travaillé en 2019 avec un petit groupe issu du CSSCT, notamment sur un guide addiction collaborateur et manager qui a été livré courant de l'été. Nous avons mis en place quelque chose qui est assez nouveau et que l'on tient, et on va remettre également l'édition 2021 sur ce sujet-là. Ce sont les sujets des aidants familiaux. En organisant des conférences en juillet l'an dernier, on s'est aperçu que, effectivement, dans les statistiques, 20% des collaborateurs d'une entreprise vont être ou seront ou sont déjà des aidants familiaux qui s'ignorent un peu. Et l'idée, c'est au travers de ces conférences de proposer des séances d'accompagnement. Nous avons eu 4 groupes en 2020 et nous avons encore 2 nouveaux groupes en 2021, qui a suscité, 150 personnes dans 3 conférences, c'est quelque chose de très honorable. Les conférences se font toujours sur un outil, bien sûr, de façon virtuelle depuis maintenant, depuis mars, on va dire, 2020. Un programme d'arrêt au tabac qu'on avait mis en place il y a quelques années, mais là aussi, le même format, des conférences, des séances d'accompagnement. Là, nous avons eu quand même 82 personnes, donc on trouve que c'est plutôt une réussite. Et pour tout ce qui est santé, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on avait quand même 4 axes dans ce plan d'action QVT, un axe sur l'organisation du travail, les conditions de travail, un axe santé et risques psychosociaux, un axe soutien à la personne, donc au travers de CESU, de conciergerie, et puis un axe qui a été aussi fédérateur de notre plan d'action QVT 2020, c'est l'engagement citoyen, je vais y revenir. Mais pour les aspects santé au travail, nous avons signé une charte avec l'association Cancer at Work pendant le mois d'octobre rose et profiter de ce mois d'octobre rose pour publier un guide sur la santé, les maladies chroniques. Pour aller juste un petit peu plus loin, pendant la SEPH, donc Semaine européenne en faveur des personnes handicapées, nous avons également mis en place des conférences sur les maladies, les handicaps invisibles. Ça nous tenait vraiment à cœur. Donc ça, c'est tous les aspects santé et organisation du travail. Et le dernier axe aussi qui a été, je vous disais tout à l'heure, fédérateur de notre plan d'action QVT, c'est l'axe engagement citoyen. L'idée de notre membre du directoire sponsor, c'était de se dire, nous savons pertinemment que des collaborateurs à la sortie de l'entreprise donnent de leur temps auprès d'associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient associatives, humanitaires, solidaires. Et on va lancer cet appel à projet pour permettre à des associations d'être mises en lumière par les collaborateurs et se dire, voilà, moi, mon entreprise, finalement, elle aide mon association à pouvoir développer. Alors, on a eu, en fait, tout le processus, c'était de communiquer, de recevoir des dossiers de candidature, de les mettre au vote de l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'était la grande nouveauté qui a vraiment été, bon, ça a été vraiment un succès, un très beau projet de l'année 2020. Et puis, à la suite de ça, 4 lauréats sont sortis des votes des collaborateurs. Le premier prix, c'était développer, c'est très courageux, une école sur la dyslexie, donc pouvoir aider, faire de la prévention dans les écoles et même une action santé là-dessus. Le deuxième prix, c'est sur l'île de la Réunion. Le deuxième prix, c'était en fait une association donc sur notre territoire, qui est sur les Alpes, qui, en fait, grâce à de la réalité virtuelle, permet à des enfants qui sont dans des unités d'oncologie, donc notamment à l'hôpital de la Réunion, de pouvoir regarder des images grâce à ces lunettes virtuelles sur le Mont Blanc, sur leur volcan, sur des images de la nature, et leur permettre pendant quelques minutes d'oublier un petit peu leur maladie. Le troisième lauréat, c'est en fait pouvoir financer des médicaments en faveur des populations reculées du sud du Sénégal.
Et le dernier projet qui a été récompensé, c'est en fait pouvoir créer un jardin d'essence dans un foyer de personnes en grande difficulté physique. Donc, de pouvoir, au travers de ce jardin, ben, en faire un lieu un petit peu de rencontre, un lieu social. Ça, c'était un très, très beau projet de l'année 2020 qui s'est terminé avec remise des prix. Et voilà. Et on va relancer donc en 2021. On repart sur une année QVT avec, on continue notre accompagnement sur les aidants familiaux. Je vais d'abord publier un guide BPCE qui va donner vraiment toutes les le côté pratico-pratique sur les aidants, qui contacter, dans quelle situation on se trouve, etc. Enfin, des choses très pratiques. On va continuer notre action sur l'arrêt au tabac. Nous avons un sujet sur le droit à déconnexion. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. On échangeait avec le précédent intervenant. On a un accord qui s'appelle le plan d'égalité pro, dans lequel on a effectivement un article sur le droit à déconnexion. Et on s'est rendu compte, effectivement, je le disais tout à l'heure, que la frontière entre vie privée et vie professionnelle était quand même pas simple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec un groupe de volontaires de notre entreprise et dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut, en plus de cet accord, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on écrit une charte sur les règles de bonne conduite? Est-ce qu'on écrit des règles de bonne conduite? Donc ça va faire l'objet de groupes de travail que je vais lancer avant fin juin. En tout ce qui est aspect santé, nous allons travailler, donc suite à la signature de la charte, nous allons travailler, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on est aussi dans l'esprit, le retour à l'emploi et le maintien dans l'emploi, c'est travailler avec aussi un groupe de volontaires de l'entreprise sur comment faire pour pouvoir faciliter le retour à l'emploi et l'inclusion réussie de nos collaborateurs qui sont absents depuis plusieurs mois. Comment faire en sorte d'avoir un manager accueillant, une équipe accueillante, leur donner à nouveau de la formation pour réactiver les compétences qui étaient peut-être oubliées. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et puis, dans tout l'axe engagement citoyen, nous allons essayer de développer, donc on repart sur une nouvelle édition de l'appel à projet. On va travailler aussi sur, dans le cadre de notre esprit RSE, il y a toujours derrière la responsabilité sociale de l'entreprise, hein, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Mais sur tout ce qui est environnemental, peut-être que, puisque en fait le télétravail a fait qu'on se voit moins, qu'on est moins en équipe, se dire, on va peut-être profiter de la semaine du développement durable en septembre où il y a le congrès mondial de la nature qui va être organisé à Marseille, deuxième quinzaine de septembre, se dire, on va lancer un projet on va proposer à nos collaborateurs de fonctionner en équipe et d'aller nettoyer des plages, nettoyer des rivières, nettoyer des lacs, travailler sur l'environnement. Ça nous fera une action un petit peu resserrer les liens. Avec une thématique qui nous tient à cœur aussi dans le cadre de notre RSE. Et puis, dernier sujet, je dirais, sur lequel on va se pencher en 2021, c'est le mécénat de compétences aussi. On sait qu'on a des experts dans nos entreprises, ça peut être la compta, du contrôle de gestion, de la finance, de la com, de la formation, et se dire, comment on peut donner du temps, des journées, des heures de nos collaborateurs pour des associations qui ont besoin d'être aidées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les perspectives de 2021 sur notre plan d'action QVT. Donc, notre entreprise se veut inclusive, il est vrai. On passe par un référent handicap, on passe par des acteurs internes, on passe par des acteurs externes dans l'entreprise. Et tout ceci fait qu'on essaie de faire avancer les choses dans un esprit, je disais, d'inclusion et un esprit bien-être au travail, si j'ose dire. Voilà. J'étais peut-être un petit peu rapide sur ma présentation. Peut-être que sur cette partie, il y aurait peut-être des questions déjà. N'hésitez pas, allez-y. C'est toujours les premières questions qui sont difficiles. On connaît bien le sujet. Voilà, c'est juste c'est une expérience d'entreprise que je vous ai livrée au travers de ma propre expérience moi-même, avec beaucoup de fierté aussi, parce que l'année 2020, malgré le contexte, a été pour moi en tout cas une réussite. J'ai mené à bien les projets qui m'étaient confiés avec des gens qui m'ont écrit, qui m'ont remercié, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux
que l'entreprise participe en tant qu'aidant, participe à leur projet d'association, participe à l'arrêt du tabac dans des périodes qui sont difficiles aussi, je reconnais. Arrêter de fumer quand on est comme ça au travail, enfin, chez soi, c'est compliqué. Mais vraiment, je suis très heureuse et fière, hein, très honnêtement, de le dire, d'avoir été jusqu'au bout de ce projet et puis de continuer l'aventure en 2021 aussi. Alors, quelques questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, bah, c'est que ça a été très clair. De toute façon, ça peut être aussi voilà, une interaction entre vous dans un deuxième temps. Donc, peut-être poursuivre avec Madame Gajan. Du coup, bonjour Madame Gajan. Ok, bonjour tout le monde. Donc voilà, Émilie Gajan, assistante sociale en entreprise. Donc, quel plaisir de travailler avec Madame Faz à la Caisse d'Épargne pour les salariés de la Caisse d'Épargne. Et donc oui, la Caisse d'Épargne, c'est une entreprise qui fait beaucoup en matière de qualité de vie au travail et d'accompagnement de ses salariés. Moi, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je travaille dans le social en entreprise. Donc, pour l'instant, j'ai accompagné une petite dizaine d'entreprises, donc plutôt des grands groupes, puisque c'est une obligation légale, hein, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés que de mettre en place un service social du personnel. Donc, j'ai plutôt travaillé auprès de grands groupes. Je travaille aussi auprès d'un service de santé au travail donc en comparaison, je peux dire qu'en effet la Caisse d'Épargne, c'est une entreprise plutôt innovante sur les actions qu'elle va proposer vis-à-vis des salariés. Moi, mon rôle d'assistante sociale, il est vraiment à l'interface entre le salarié et l'entreprise. Et je vais aussi revenir sur la conférence précédente sur la notion de qualité de vie globale, parce que c'est vraiment l'important, en fait, c'est bien en effet d'avoir un juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et le rôle de l'assistante sociale, il est d'accompagner soit la recherche de cet équilibre, soit de le protéger, cet équilibre-là. Et c'est vraiment... Ça a vraiment un impact, en effet, quand vous avez soit dans votre travail une perte de sens dans votre emploi ou des difficultés, en tout cas, on va dire, à se projeter dans l'avenir aussi au niveau professionnel. Là, on peut avoir besoin de l'assistante sociale pour essayer de se redynamiser, de recomprendre un petit peu la notion d'employabilité, essayer de trouver du sens et parfois être accompagné pour construire un projet professionnel ailleurs que dans l'entreprise. Ce n'est pas évident de quitter son entreprise et d'aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Parfois, c'est simplement les problèmes de la vie personnelle qui sont trop présents et envahissants et qui, du coup, empêchent de pouvoir s'investir sereinement dans le travail. Et on a une espèce d'effet boule de neige où les problèmes personnels sont très présents. Quand on arrive au travail, on est moins productif, moins disponible vis-à-vis du collectif. Donc, ça veut dire qu'on commence à s'isoler aussi avec le collectif. Donc, on se met à avoir des problèmes aussi au niveau du travail et tout ça devient très compliqué. L'assistante sociale, elle est aussi l'interface avec l'État et ses carences et dysfonctionnements qui aujourd'hui pèsent beaucoup sur le salarié et sur l'entreprise. Parce que pour avoir un équilibre de vie, il faut pouvoir aussi se reposer sur des dispositifs qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité. Donc, tout à l'heure, l'intervenant parlait de l'éclatement des familles ou de l'isolement des familles. Et donc, en effet, aujourd'hui, c'est compliqué de se reposer sur la sphère familiale, mais c'est aussi compliqué de se reposer sur des modes de garde adaptés.
Donc, quand vous êtes salarié, que vous avez à la fois charge des enfants et des parents, peut-être grabataires ou en fin de vie, ou un compagnon, une compagne en situation de handicap, vous avez vous-même un problème de santé et que vous n'avez pas de mode de garde ou d'école adapté à vos horaires de travail, on se retrouve avec des situations de grande détresse et des personnes qui se sentent écrasées par le poids des problématiques. Je trouve, moi, qu'on demande beaucoup aujourd'hui aux entreprises. Les salariés ont tendance à trouver plus facilement la réponse à leurs difficultés auprès de leur employeur qu'auprès de l'État. Donc, les entreprises sont très engagées de plus en plus dans des plans d'action QVT. Et là, moi, je vais être de plus en plus sollicitée par des entreprises, on va dire, un peu plus petites, qui mettent en place des référents harcèlement, des référents handicap, des référents QVT, mais qui n'ont pas l'expérience de l'entreprise, qui n'ont pas de formation non plus. Et donc, nous, on va les accompagner, ces entreprises. Donc, j'ai créé un baromètre social pour des petites structures, pour leur permettre un petit peu d'anticiper sur les risques en turnover, en absentéisme de leurs équipes et les besoins de leurs équipes. Avec le service de santé au travail, on développe de façon expérimentale une cellule maintien en emploi et on accompagne les entreprises qui ont envie de mettre en place cette cellule maintien en emploi. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec la caisse d'épargne et on est en train de le faire dans d'autres entreprises de mon association aussi. Donc, c'est toujours pareil. L'objectif est d'anticiper un maximum sur les risques d'inaptitude. C'est d'essayer de faire baisser l'absentéisme et de redynamiser le salarié pour lui redonner envie de retourner dans son emploi, d'avoir un projet professionnel et personnel qui lui convienne. Et donc, on travaille de concert avec l'entreprise et avec le salarié. Voilà un petit peu pour mes missions. Alors, il y a peut-être des petites choses à rajouter sur la cellule de maintien d'emploi, puisque c'est vrai qu'on sait qu'en extérieur, en général, il y a des organisations qui se font au niveau de département, de région, avec un certain nombre d'institutions du coup qui vont réfléchir sur des problématiques liées à des salariés avec des difficultés de santé, mais on constate aussi également, alors là je parle, quand je parle de ça, des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, en général tenues donc aux Antilles par des CGSS. Comment se met en place une cellule de maintien d'emploi en interne à une entreprise? Est-ce que c'est un peu construit sur le même modèle que la cellule prévention de désinsertion professionnelle qu'on peut mettre du coup à l'échelle d'un département, d'une région comme la nôtre? Comment ça s'est passé pour ce projet de cellule de maintien d'emploi? Alors en effet, oui, il y a un modèle qui existe de lutte contre la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc nous, en métropole, c'est la CARSAT qui le met en place, donc les sécurités sociales. Et donc, on a une formation qui nous a été proposée par le professeur Jabès et Paré qui, en fait, ont créé ces cellules maintien en emploi. Donc, on va dire qu'il y a un process type et un objectif type qui est, en fait, de reconnaître le salarié et de lui apporter une vision systémique de sa situation. On ne regarde pas qu'à travers le prisme de la santé. On a plusieurs choses à prendre en considération et aussi on lui apporte une réponse complète et de qualité parce qu'on est plusieurs à lui répondre. Et donc l'objectif est d'avoir une pluridisciplinarité et on construit une CME en entreprise sur le même modèle que la CME départementale. On n'a juste pas les mêmes professions.
qu'on va peut-être avoir moins d'équipes médico-sociales, mais on va avoir le regard du référent handicap, on va avoir le regard d'un manager, le regard d'un juriste, et ça a forcément un impact très positif sur le collectif de travail du salarié. Ça veut dire que le salarié ne va plus être seul à porter son problème de santé et va pouvoir non seulement lui être pris en considération dans ses difficultés, mais sa difficulté, elle va venir nourrir et enrichir la culture de l'entreprise qui, du coup, apprend ce que c'est que le handicap et donc découvre que le handicap, il est majoritairement invisible et va, du coup, repenser sa culture, sa façon d'accueillir un collaborateur en difficulté, sa façon de l'accompagner, sa politique de développement des compétences et de reclassement. Donc voilà, on part sur une technique commune et après on va dire qu'on adapte en fonction des personnes qui sont dans l'entreprise. Si je peux intervenir également, nous on part sur deux. On a deux façons de procéder. On a cette cellule de maintien dans l'emploi qui va travailler sur des collaborateurs absents de plus de 75 jours. Donc, c'est des absences qui commencent à être un peu longues. Et se dire, voilà, on va essayer avec des équipes internes de voir. On ne parle jamais de pathologie, bien évidemment. On parle juste de connaître la situation peut-être de la personne et se dire, quand elle est partie, elle était en ce poste-là, elle faisait ce poste-là, ok. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir si voilà, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la personne qui nous permettent déjà de se dire bon, elle va peut-être revenir. Mettons-nous un petit peu en ordre de marche pour favoriser le retour à l'emploi au travers de visites de pré-reprise, de conversations entre les membres de la cellule de maintien dans l'emploi et des acteurs internes comme un chargé développement RH, celui qui a dans son portefeuille cette personne. Et puis après, il y a la saisie de la CME, c'est-à-dire qu'il se passe un événement grave, on est saisi soit par le chargé développement RH, soit par l'assistante sociale, soit par la médecine du travail. Et là, on va monter, ça s'est déjà fait depuis le début de l'année, on va monter une réunion de travail et on va travailler sur le cas de la personne et voir ce qu'on peut mettre en place comme accompagnement ou non. D'ailleurs, des fois, ce n'est pas toujours si systématique, c'est assez compliqué. Voilà, donc c'est vraiment deux entrées. On fait un travail un petit peu plus au long cours et puis on travaille quand on est saisi par une problématique pour laquelle il faut des réponses assez rapidement. C'est ça, en fait. La CME, elle a un double rôle, elle fait de la prévention. Et puis, elle fait de l'accompagnement, peut-être pas de la réparation, mais en tout cas, oui, de l'accompagnement dans un moment compliqué. Le cas de figure assez classique, je pense que tout le monde peut visualiser ou connaître. Vous avez un salarié qui part en arrêt maladie, on ne sait pas pourquoi. Et l'arrêt maladie va perdurer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Et plus l'arrêt maladie perdure, plus on va dire l'entreprise oublie le salarié, réadapte, le remplace et donc organise son fonctionnement sans le salarié. Et lui, le salarié, de son côté, il perd aussi la dynamique de l'entreprise, la culture de l'entreprise, certaines compétences, parce que on évolue constamment dans nos compétences en travaillant. Et un jour, on a un salarié qui revient et qui revient par le biais de la visite de reprise. Et en gros, l'entreprise découvre qu'il doit reprendre là. Il a une semaine pour reprendre. OK, très bien. Donc, ça veut dire se débarrasser de la personne qui le remplace depuis plusieurs mois, qui fonctionne bien, on s'y est attaché. Très bien. Puis en plus, on apprend qu'il reprend et qu'il reprend en temps partiel thérapeutique et qu'il n'aura peut-être pas les mêmes capacités qu'avant. Donc, en gros, tout le collectif se met à paniquer. Ça veut dire qu'on va devoir assumer la charge de travail de la personne qui reprend, mais qui ne reprend pas complètement. Ça veut dire que le manager, il doit revoir tous les plannings au dernier moment. Il s'avère que la personne qui reprend, très souvent, elle n'est pas guérie. Elle a été mal accompagnée durant son arrêt maladie elle s'est juste retrouvée sur une fin de droit parce que la sécurité sociale, c'est un droit qui est limité à plusieurs conditions.
Donc la personne reprend sans être véritablement guérie, soignée, et on se retrouve comme ça avec une espèce de cercle vicieux où bah, la reprise se passe mal, donc la personne va rester quelques temps, puis va repartir en maladie. Enfin bon, voilà, on est sur quelque chose qui est désagréable pour le salarié comme pour l'entreprise. Ou alors, même cas de figure, la personne reprend, et là, le médecin du travail voit bien que la personne, elle n'est pas apte à reprendre, va la déclarer inapte, et du coup, bah, la personne, elle a toujours son problème de santé, et en plus, elle perd son travail. Et la CME, elle, son rôle, il est justement bah, d'éviter ce type de situation-là, déjà créer une instance qui va pouvoir se mettre en lien avec le salarié pendant l'arrêt de travail. Parce que c'est très délicat pour un employeur de contacter un salarié qui est en arrêt de travail. C'est très délicat parce que ben, la démarche, elle peut être maladroite et qu'elle peut être mal vécue par le salarié et que l'employeur, ben, il a beaucoup de responsabilités à porter. Donc, il peut très vite être accusé, l'employeur. Donc, la démarche étant compliquée, avoir une instance basée sur le bien-être, la santé, qui peut être en plus représentée par un représentant du personnel, une assistante sociale, un infirmier. Donc, il n'y a pas le même rôle que l'employeur qui va se rapprocher du salarié pour créer un lien. Psychologiquement, c'est déjà important. Ça garde le salarié ancré dans l'entreprise. Ça lui permet de ne pas se déconnecter de la culture et ça lui permet de ne pas commencer à créer une angoisse à l'idée de reprendre. Ensuite, dans cette cellule maintien en emploi, vous avez forcément une partie en équipe médico-sociale. Cette équipe-là, elle va avoir aussi un rôle qui est bah, de mettre un pied dans la vie personnelle du salarié et de s'assurer que pendant son arrêt maladie, il a une cohérence dans le discours médical qui lui est apporté. C'est-à-dire, est-ce qu'il a juste un médecin qui lui renouvelle des arrêts ou est-ce qu'il a bien un diagnostic posé, un traitement proposé, une date prévue de fin de convalescence. C'est aussi l'arrêt maladie, c'est un espace-temps qui regorge de dispositifs et pour la santé, mais aussi pour le retour en emploi. Donc, est-ce que le salarié il est au courant de ses droits? Est-ce que on peut mobiliser son arrêt maladie pour, par exemple, se former faire un petit stage d'immersion dans un service, dans l'entreprise qui serait un petit peu plus protégé en cas de besoin. Et est-ce qu'on protège aussi son budget? Parce que bah, tout à l'heure, je vous parlais du cercle vicieux. Et bah, si on a un problème de santé, d'un moment, on n'a plus d'indemnité journalière, on n'a plus d'argent, on n'a plus de travail. C'est la catastrophe. Donc, l'équipe médico-sociale de la CME, elle s'assure que toute cette partie-là est préservée et elle utilise déjà les dispositifs pour pouvoir dynamiser le salarié. Elle prépare le retour à l'emploi. Et elle fait le lien avec la CME, qui est composée aussi de représentants de l'entreprise, de la hiérarchie, des employeurs. Et du coup, la reprise, elle n'est pas subie, elle est le plus anticipé possible et c'est vraiment un projet qui devient collectif, qui est travaillé avec le salarié, son médecin du travail, mais aussi avec le manager et la future équipe qui l'accueillera. Donc c'est en ça, il y a des études qui ont été faites hein, par la Sécurité sociale notamment, quelqu'un qui est absent, qui n'a aucun lien avec son entreprise, il peut prolonger son absence pendant très longtemps et avec en plus, on sait qu'au bout de 6 mois d'arrêt, il y a de faibles chances, je crois qu'on a 50% de chances de maintenir son emploi. Passé un an, on ne maintient plus son emploi, c'est très compliqué. Alors que quand l'entreprise garde un lien avec le salarié pendant l'arrêt, l'arrêt en général de 6 mois, il passe à 3. Parce que c'est en ça qu'on lutte contre l'absentéisme, c'est-à-dire que le salarié est en lien avec son entreprise, sachant que son entreprise l'attend, mais il va écourter son arrêt, il va reprendre plus sereinement et plus facilement. Donc ça, c'est déjà, je vois qu'il y a une question qui s'est affichée dans les discussions, c'est déjà une première réponse de lutte contre l'absentéisme. Ce qu'on s'accorde à faire, si vous voulez, mais comme Sylvie Gageant disait qu'effectivement, une personne qui est absente, ben, ne souhaite peut-être pas être non plus contacté directement par son entreprise pour des raisons de pathologie, de fatigue, etc. Tout ce qu'on s'accorde à faire, c'est de leur envoyer un courrier en leur redonnant un petit peu
les aspects, vous avez droit à une visite de pré-reprise, la visite de reprise, ça se passe comme ça. Vos interlocuteurs internes, ben c'est une liste de personnes internes et d'assistantes sociales. Remettre en perspective qu'ils ont quand même dans l'entreprise, ils peuvent eux-mêmes, s'ils le souhaitent, contacter telle ou telle personne pour garder le lien ou en tout cas pour avoir des premières informations en vue d'un retour éventuel. Donc ça, on s'accorde à le faire. Parce qu'on trouve que c'est quand même important. C'est garder du lien ou c'est en tout cas, voilà, on ne vous oublie pas. Vous êtes encore là, vous êtes chez nous, on ne vous oublie pas. Charge, ben, après, vous ferez comme bon vous semblera en fonction de vos besoins et de ce que vous attendez de l'entreprise. Mais voilà, c'est une démarche qu'on s'accorde à faire régulièrement. C'est une démarche qu'il faut encourager. Il faut vraiment que les employeurs puissent trouver des représentants dans l'entreprise qui se mettent en lien. Alors, ça peut être un process, un courrier comme à la caisse d'épargne, mais aussi voilà, des personnes qui seraient en charge de se mettre en lien avec les salariés en arrêt maladie, parce que ça a vraiment un effet sur l'absentéisme. Un autre effet sur l'absentéisme, alors ça, c'est, je ne le fais pas à la caisse d'épargne, je le fais dans des entreprises un peu plus petites, où vous avez un employeur qui à la fois manage, recrute, fait le planning, enfin voilà. Donc là, souvent, moi, je sensibilise l'employeur sur les risques de son entreprise, parce qu'il y a des études qui sont faites déjà par les médecins du travail, donc on s'appuie sur ce qui est fait et qui est bien fait. Par exemple, dans les entreprises type accueil, foyer de vie, donc ça peut être EHPAD, MAS, EAP, j'en sais rien, mais dans ce type d'établissement, vous allez avoir des profils de salariés qui vont être soumis à la fois à des troubles musculo-squelettiques et à des risques psychosociaux. Et les études de santé au travail montrent que ces salariés, en général, ils tiennent 7 ans avant de développer des troubles. À partir du moment où on le sait, l'employeur, il ne peut pas nier et en recrutement être un peu dans le jeu de séduction classique, c'est-à-dire bienvenue chez nous, vous allez faire carrière. Je pense que l'employeur, il doit tout de suite aussi dire, voilà, chez nous, vous allez pouvoir tenir 7 ans sur un poste. Il n'y a peut-être pas, il n'y a pas de possibilité d'évolution dans cette entreprise. Donc, il faut se dire que vous allez avoir un projet de 7 ans et qu'on vous accompagnera après pour construire un nouveau projet professionnel. Ça, c'est très compliqué, je pense, pour les employeurs que d'accepter d'avoir ce type de discours. Et pourtant, c'est quand même bien ce qui va pousser les salariés à l'arrêt maladie, c'est l'apparition de troubles, donc de problèmes de santé, ou le moment où le salarié va réaliser qu'il n'a pas de possibilité d'évolution dans l'entreprise. Et on ne peut pas toujours évoluer, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Je veux dire, d'un moment, l'entreprise, elle est aussi limitée. Et à moins d'attendre un départ en retraite ou de souhaiter le décès de quelqu'un, on ne va pas pouvoir tous évoluer. Donc, si l'employeur, prévenir le salarié, mais surtout l'employeur, il va vraiment maîtriser la politique de développement des compétences de son salarié, c'est-à-dire proposer des formations qualifiantes et l'accompagner à de la reconversion ailleurs que dans son entreprise. Il aura moins d'absentéisme pendant le temps de travail du salarié et il aura une séparation avec son salarié qui sera plutôt agréable, c'est-à-dire que le salarié aura apprécié son expérience, pourra rebondir après par la suite et l'employeur pourra gérer à ce moment-là un turnover qui ne sera pas subi mais qui sera anticipé. Et je vois une question sur Cap Emploi. Alors, Cap Emploi, pas dans des entreprises comme la Caisse d'Épargne, parce qu'il y a un accord handicap. Donc, et puis, il y a des référents handicap qui maîtrisent quand même bien le travail. Par contre, moi, je fais souvent appel à Cap Emploi pour des petites entreprises. Ça, c'est quand je travaille en médecine du travail, je fais des consultations sociales et il m'arrive de voir des salariés où je pressens clairement un risque de désinsertion professionnelle. Je pressens une difficulté de l'employeur pour aménager le poste ou accompagner le salarié à
en employabilité. Donc, en général, c'est là que j'appelle Cap Emploi. C'est vrai que nous, nous assurons beaucoup le maintien dans l'emploi par de l'aménagement de postes. On fait ça en interne hein, sur préconisation de la médecine du travail. Cap Emploi est arrivé chez nous, notamment en Outre-mer. Hein. Certes, ils font des études ergonomiques. Sinon, nous, nous avons des ergonomes. Hein, quand la situation est quand même assez compliquée, on fait appel à des ergonomes privés, je dirais. Mais le Cap Emploi, nous, on va travailler avec eux sur des notions de recrutement, personnes en situation de handicap, mais le maintien dans l'emploi, on l'assure nous en interne. Voilà, on est sous accord, donc on gère notre politique d'aménagement de poste, d'aménagement d'horaire en fonction des demandes. Voilà, c'est nous qui assurons avec un service dédié. Et puis moi, bien sûr, en tant que référent handicap. Il y avait une question sur l'absentéisme, je pense que Mme Gagin a dû répondre. Juste de façon un petit peu générale, c'est vrai que c'est un sujet, l'absentéisme en entreprise, c'est quelque chose de très, très délicat. C'est difficile, mais on est une grande entreprise, c'est vrai que c'est très, très difficile. C'est un sujet difficile à gérer. Comme je vous disais tout à l'heure, on se permet d'écrire aux collaborateurs en leur disant, là, vous avez telle et telle structure dans l'entreprise qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à les saisir. Mais l'absentéisme au sens large, je vous avoue que c'est une des problématiques d'entreprise. La question qu'il faut se poser aussi, c'est les nombreuses absences de courte durée sur une même année. Là, c'est des choses qui doivent aussi alerter les managers et les équipes. Mais lutter contre l'absentéisme, je ne peux pas vous dire qu'on ait une politique drastique là-dessus parce que c'est une vraie problématique chez nous et dans les entreprises comme la nôtre, de taille quand même conséquente, 3 300 personnes, c'est vrai. Merci beaucoup. Et il y aurait d'autres questions, d'autres observations. Allez-y, n'hésitez pas. Des questions? Non, visiblement pas. Alors, peut-être demander, puisque je pense qu'on a Madame Custos du Cap Emploi. Est-ce que vous voudriez faire une petite intervention? Je vous prends un peu au dépourvu, là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, alors, je vous avoue que je fais un exercice un peu compliqué où j'essaie de suivre en même temps de faire autre chose. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que la question du maintien nous intéresse, puisque enfin, c'est moi qui ai posé la question sur le Cap Emploi, puisque nous sommes sur le territoire de la Guadeloupe. C'est nous qui avons cette mission d'accompagnement justement des employeurs, des salariés sur le maintien de l'emploi. Alors, effectivement, les entreprises qui sont sous accord voilà, n'interviennent pas, enfin, ne nous sollicitent pas, puisqu'effectivement, l'accord est prévu pour ça. Mais j'avoue que sur le territoire de la Guadeloupe, même les employeurs qui sont sous accord, quelquefois, ont du mal. Donc, on a effectivement des fois des employeurs qui nous sollicitent. Alors, ce que nous dit notamment la GFIP, c'est que si, effectivement, l'employeur a atteint déjà ses 6%, il peut effectivement, dans certains cas, faire appel à Cap Emploi. Mais le plus souvent, c'est vrai que c'est surtout pour des questions de recrutement. Oui, tout à fait. Mais je trouve effectivement ces échanges vraiment très intéressants, puisque sur notre territoire, alors il y a beaucoup de choses qui se font, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent confronté à des personnes donc, qui sont référentes handicap au sein des entreprises et qui ont effectivement besoin d'avoir notamment ces informations. Donc, des fois, ce sont des personnes qui débutent sur le sujet et qui ont quelquefois du mal voilà, à avancer. Donc, on peut être amené à être sollicité pour avoir des échanges et faire part aussi de notre expérience. Donc, en tout cas, vraiment, je salue tout ce travail qui est fait et puis ces échanges très fructueux et les informations que vous nous donnez. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Bon, il y aurait beaucoup à dire encore, mais voilà, mais vraiment, c'est très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, pour votre participation. Merci beaucoup. Et puis, on avait aussi une petite question.
Par rapport justement au service social et à son déploiement au niveau de la caisse d'épargne sur les territoires d'outre-mer, puisque Madame Custos est intervenue, mais c'est vrai qu'en général, il y a un travail interne qui se fait, mais également avec les partenaires externes. Donc, ça peut être par exemple le service social de la sécurité sociale, quand il y a la question de l'adaptation du poste de travail. Autant cette mobilisation des ressources internes que la sollicitation des partenaires en externe, et notamment par exemple le Cap Emploi, pour la question de l'RQTH, le bilan de compétences éventuelles, enfin un accompagnement dédié. N'est-ce pas, Madame Custos? Et c'est sur les autres territoires d'outre-mer, je pense que c'est un petit peu la même chose pour oui, la Martinique et la Réunion. C'est bien ça, je confirme. Et Madame Faz, par rapport justement à ce déploiement outre-mer du service social, c'est un petit peu ça en général, c'est-à-dire une organisation d'abord en interne et puis après un travail qui se fait avec la médecine du travail assez important et déploiement avec les autres partenaires territoriaux. C'est vrai que vous, les assistantes sociales, vous avez un rôle clé quand même dans tout, dans ce système-là, parce que les personnes ont tendance à se confier. Bon, c'est souvent, enfin, c'est aussi, me semble-t-il, des problèmes qui dépassent le problème professionnel. On vous saisit souvent pour des problèmes personnels liés à des problèmes financiers, peut-être de vie, etc. Et vous êtes vraiment des aides précieuses dans toute la chaîne de personnes qu'on met sur ces sujets-là dans l'entreprise. Et juste un petit éclairage qui vous fera plaisir certainement, mesdames, c'est que la vidéo que nous avons réalisée ensemble l'an dernier, justement pour redonner un petit peu de l'information sur vos rôles et votre engagement dans votre métier, fait partie des 10 meilleures vidéos avec le plus de vues dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est révélateur d'un vrai besoin, c'est révélateur d'un vrai intérêt sur vos métiers. Et vous avez toute votre place dans l'entreprise, sans vous flatter. Voilà, je vous le dis parce que vraiment, ça fait partie des 10 meilleures vidéos visionnées en 2020. Je vois Madame Gageant avec un très grand sourire. Je ne pense pas que je vous avais donné cette information. Mais non, on ne savait pas. Mais, voilà. Mais oui, en effet, l'idée quand même à retenir, je pense, c'est le terme de global. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, elle n'est pas, c'est un peu utopique de se dire que tout repose sur l'employeur. La qualité de vie, c'est global, la vie privée et la vie professionnelle. Et comme l'accompagnement et la réponse qu'on apporte aux salariés, elle ne peut être que globale avec un maillage de compétences en interne dans l'entreprise. L'entreprise doit se donner les moyens, mais elle ne peut pas intervenir, couper de la réalité. Donc, oui, merci Madame Faz de nous mettre en lumière et en valeur, mais c'est le rôle de l'assistante sociale que de créer de l'interface avec les différents dispositifs d'État. Et c'est de toute façon comme ça qu'est définie la réponse de qualité à apporter aux salariés par la sécurité sociale. C'est une réponse globale par un ensemble de personnes et de professionnels. Je crois que si on met tous notre énergie en musique, si on actionne, si on essaie d'être, de mettre autour d'une problématique plusieurs acteurs, on ira de plus en plus vers des réussites. Il est certain que l'entreprise a ses défauts. L'entreprise n'est pas non plus, j'allais dire, un endroit où on arrive à résoudre tous les problèmes. Mais voilà, si on met toute notre énergie les uns les autres au service de causes, alors de bien-être au travail, c'est un joli mot, ça, bien-être au travail. En tout cas, nous, on a envie d'aller vers ça. Après, on ne fera pas, bien sûr, que des satisfaits, parce que l'entreprise a ses limites aussi, parce qu'on a des obligations, on a tous des obligations, on a tous des livrables, on a tous des managers, on a, voilà. Et tout ça, ça fait que voilà, on n'est pas toujours satisfait de ce que. Mais voilà, c'est pas, il faut pas se dire que l'entreprise doit être effectivement doit donner la réponse à toutes les problématiques. Bon, elle fait ce qu'elle peut. Moi, je vous dis, j'ai la chance de travailler dans une grande entreprise qui met des dispositifs en place. Après, effectivement, il y a aussi d'autres défauts des grandes entreprises. Il y a moins de proximité. Bon, moi, je travaille à la direction des ressources humaines. Donc, c'est vrai que je suis quand même aussi dans une direction qui développe des process, qui développe qui est un peu au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, j'ai effectivement un niveau d'information qui est quand même assez,
assez large. Mais voilà, tout attendre d'une entreprise, c'est compliqué. Mais nous, en fait, chaque entreprise essaie de faire avec ses moyens ce qu'elle peut pour essayer de satisfaire. En tout cas, l'idée, c'est de se dire si on a des collaborateurs heureux, qui sont contents de travailler pour leur entreprise et qui sont contents de venir ou en tout cas d'ouvrir leur session le matin, je pense qu'on aura gagné. On n'en est peut-être pas là, mais allez, en tout cas, on y met notre énergie. Merci beaucoup. Et alors, une dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui peut être mobilisé quand il y a un employeur qui est quand même présent et que de l'autre côté, il y a un salarié qui est très peu réceptif à tout ce que... On sent qu'il y a peut-être des difficultés, qu'il n'arrive pas à se livrer, qu'il n'arrive pas à expliquer ce qui ne va pas, mais on sent bien qu'il y a une problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là? C'est juste mon avis très personnel. Hein, attention, je ne parle pas pour mon entreprise, je parle à titre personnel. Je crois que déjà, c'est la communication qui peut désamorcer les problématiques. Je pense que déjà, il faut que les choses soient exprimées de la part du collaborateur, qu'ils soient entendues de la part de l'entreprise et voir ce qu'en fonction des attentes, l'entreprise peut donner. Mais si on n'a pas ce dialogue, si on n'a pas cette communication, ben, l'entreprise ne saura pas le malaise et le collaborateur va rester avec sa problématique. Je suis peut-être naïve, hein, mais je pense vraiment beaucoup que la communication et les échanges avec des acteurs internes, on a la chance, nous, dans notre entreprise, d'avoir quand même des relais internes. Donc, il faut pas que les collaborateurs s'exonèrent de les actionner à un moment donné. Moi, je dirais la communication et l'échange. Je suis d'accord avec Madame Faz. Je rajouterais la culture d'entreprise parce que bon, le salarié, il n'a peut-être pas du mal à se confier sans raison. Donc, il y a forcément un travail de culture d'entreprise et après, bah, y a pas de secret, la communication assertive. L'intelligence collective et la communication assertive, c'est la réponse à beaucoup de choses, les amis. Non, mais je crois que plus l'entreprise communiquera sur ses dispositifs internes, plus elle va, l'information qu'elle va livrer à ses collaborateurs pourra peut-être les rassurer et se rendre compte que des choses sont faites. Quand je disais au tout début de mon intervention qu'on n'a pas attendu le plan d'action QVT 2020, on avait fait des choses avant, mais ces choses-là, elles étaient déjà dispensées sur plusieurs années, elles étaient dispensées sur plusieurs canaux, par plusieurs voies, elles se sont faites tout au long des 10, 20, 20 dernières années, sauf qu'on n'appelait pas ça QVT. Et donc là, on s'est dit à un moment donné, on va faire un point de départ, on va se caler sur la stratégie, bon, un plan stratégique voilà, de 3 ans, puis on va écrire une feuille de route là-dessus et on va essayer d'apporter des solutions, apporter du bien-être, remettre aussi en marché ce qui a déjà été fait, parce que je vous dis tout de suite, là, ça se perd un petit peu dans le temps, les gens oublient. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment communiquer en QVT, en handicap. Il faut sans cesse communiquer auprès de nos collaborateurs. Et ça, on pourra mettre tous les beaux dispositifs, bien avec un joli nœud et bien impacté. Si on fait une information une fois et ça s'arrête, on aura peut-être perdu de l'énergie. J'en suis convaincue parce que moi, je le vis à titre professionnel, dans mon activité au quotidien. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut sans cesse recommuniquer là-dessus et dire ça existe, il y a ça, il y a telle initiative, tel applicatif, voilà, il y a telle personne, il y a telle structure. Et vraiment, je vous assure, sans arrêt, c'est de la communication. Alors, c'est peut-être compliqué pour nous dans les grandes entreprises parce qu'on dispose d'un portail interne, on n'y va pas, on a des mails, etc. Mais dans les petites entreprises, il y a une proximité qui fait qu'on n'a pas besoin de s'écrire, on peut se parler. Là, vraiment, je vous assure, il y a des dispositifs, si on ne recommunique pas dessus régulièrement, ils sont oubliés par l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, là, je pense qu'on est arrivé, voilà, au terme de la conférence. Est-ce qu'il y a peut-être encore quelques petites observations, des questions? En tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Plaisir partagé avec vous et puis l'ensemble des personnes qui assistent à votre salon. On vous souhaite une jolie continuation pour cette journée et demain.
également. Merci, merci beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver. Voilà, volontiers. Merci. Merci. Et bonne journée à tous. Bonne Les enfants. journée. Au revoir, Madame Gageant. Au revoir.